Il faut avant tout mettre en sécurité le domaine skiable. Les 60 cm de neige fraîche posés sur une première couche glacée en surface étaient trop instables ce matin pour lâcher les riders. Les plus motivés sont déjà au départ du télécabine. Un peu de déception, mais aussi de la philosophie. Il faut prendre la montagne comme elle est. Un peu déçu, mais bon, on va pouvoir profiter de la neige un peu hors des pistes avec de la motivation, ça va le faire quand même. Vu qu'on est coincé ici pour le moment, à attendre de savoir si demain ils ouvrent. Donc voilà, on va trouver de quoi s'occuper. Ça va faire du bien, ça faisait longtemps, un an d'attente, enfin un peu moins, mais bon. On est content, il y a de la bonne neige. Il va falloir attendre encore un peu parce que la station est fermée. Non, on n'y croit pas. Sérieusement? On va trouver des moyens pour faire du snow, hein. On va aller sur les routes. Et pendant qu'au village les plus motivés rongent leurs freins, dans le cirque du Lys, les personnels mettent la dernière main à l'accueil des skieurs finalement reportés à demain. Tout le monde est content, voilà, pour les skieurs ce sera bien, c'est une satisfaction, mais voilà, on l'attendait, elle est là, c'est merveilleux, tout est blasé, c'est bon. Cette neige qui arrive à point nommé est très bénéfique pour toute la saison car elle donne le signal de vacances de Noël et de février réussies. Ce qu'on constate, c'est un gros trafic sur nos sites internet, sur les pages webcam évidemment, mais sur également les sites de réservation, puisqu'on a une place de marché touristique avec les stations NPI, qui nous permet de mesurer en gros la tendance pour l'hiver à venir. C'est donc demain que se fera la vraie ouverture à Cauterets, comme dans d'autres domaines skiables du massif. On finit de damer ce qui est tombé. On nous annonce encore de la neige pour cette nuit, puisqu'il nous annonce encore 30 ou 40 cm de neige. Et demain matin, l'ensemble du parc des remontées mécaniques, à environ 70% du domaine skiable, sera ouvert à la clientèle. Et c'est donc parti, si tout va bien, pour 4 à 5 mois de saison.